n'est pas là pour... on fait pas la comptabilité, tu vois, donc... enfin, on peut faire la comptabilité en se marrant, j'en sais rien, mais... J'aime pas trop la comptabilité. Mais, enfin, tu vois, tu... on est là pour... on est là aussi pour passer un bon moment ensemble, on fait de la musique ensemble, quand même. Est-ce que tu aimerais apprendre à jouer de l'harmonica ? Imagine la situation suivante. Tu es en train de te balader avec tes amis et vous marquez une petite pause et tu lances à la volée. Ça vous dirait une petite pause musicale ? Et puis les gens te regardent en disant mais une pause musicale, pourquoi tu veux nous faire écouter un morceau ? Et là tu sors l'harmonica de ta poche, cloum ! Ah, parce que je joue de l'harmonica, ah super, et tu joues un petit morceau comme ça spontanément, et les gens sont ravis. Voilà. Est-ce que ça te plairait de réussir à faire ça? Si oui, eh bien je vais t'expliquer dans quelques secondes comment tu peux apprendre à jouer de l'harmonica au sein de l'école internationale d'harmonica, une école que j'ai créée en septembre 2014. Et j'ai créé une formule qui va s'enrichir très bientôt. Qui va te permettre d'avoir un suivi ultra personnalisé de la part de ton professeur, moi-même, au plus près, pour que tu saches tout le temps ce que tu dois travailler en fonction de ton objectif, ton projet musical, on va dire, de ton objectif, de tes capacités du moment. Enfin, c'est vraiment, si tu veux, c'est un mix entre les cours en ligne, formation en ligne, et les cours particuliers. Je vais t'en parler dans quelques secondes. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armand Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur, compositeur et professeur de musique. Et donc, dans quelques secondes, je vais t'expliquer ce que je vais mettre en place très bientôt, la semaine prochaine, vendredi prochain, pour aider les élèves à progresser encore mieux, d'être rassurés sur leur progression et de toujours savoir... ce qu'ils doivent travailler sur l'instrument pour progresser et jouer les morceaux qu'ils ont envie de jouer. Voilà, on se retrouve juste après le générique qui est très court et ça commence dans quelques secondes. Attention, c'est parti. Il y a quelques mois maintenant, j'ai lancé une formule que j'appelle Club Armo. Le principe, c'est que dès que tu t'inscris au club Armo, tu accèdes à une plateforme sur laquelle tu trouves des dizaines et des dizaines de cours. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'attendre la fin de la semaine ou la fin du mois pour découvrir les nouveaux cours. Dès que tu t'inscris, tu as déjà l'équivalent d'un an et demi de cours en ligne. Et ce sont des cours pas à pas. Donc en fait, à ce jour, tu as déjà plus de 150 cours en ligne sur tous les parties de la musique, tous les domaines où tu dois travailler, donc aussi bien la mélodie, le rythme, les effets sur l'harmonica, les techniques évidemment pour jouer les notes à l'harmonica. Donc en fait, ce sont des cours par catégorie. D'accord ? Et pour, si jamais tu débutes complètement la musique, pour savoir où te diriger, eh bien tu as ce que j'appelle le parcours du débutant. Il suffit de suivre le parcours, de cliquer sur les liens et tu arrives directement sur les cours qui correspondent et comme ça tu peux travailler pas à pas. Tu peux faire ton quart d'heure quotidien ou ta demi-heure quotidienne par exemple. La plupart des élèves font une demi-heure d'harmonica par jour et ça leur permet de progresser et d'un jour à l'autre ils ne travaillent jamais la même chose. Enfin, il suffit de suivre le parcours et de cliquer sur le lien. Et puis de temps en temps, si tu dis bah tiens, allez aujourd'hui, tiens, je ferai bien un petit exercice d'oreille musicale. Pour développer mon oreille, tu vas dans la catégorie oreille musicale et tu trouves tous les cours. Tous les cours sont déjà en ligne, ce sont des cours en vidéo, tu as des ressources que tu peux télécharger et comme ça, ça permet de te faire plaisir à travailler des choses différentes si tu le souhaites tous les jours et de toujours avoir plaisir à sortir ton instrument pour travailler et pour progresser pas à pas. Donc ça, c'est la formule Club Armo que j'ai mise en place il y a quelques mois maintenant. Et en fait, je me suis dit qu'on pouvait faire encore mieux parce qu'en fait, j'ai des élèves
qui suivent les cours et qui trouvent les cours très bien faits, enfin, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand même, ils ont besoin de savoir s'ils sont sur le bon chemin. Quand ils ont une difficulté, ils aimeraient avoir des conseils en direct, tu vois. Par exemple, bah tiens, j'apprends à jouer ce morceau, mais là, c'est un passage difficile pour moi. J'imagine qu'il existe une méthode qui me permet justement de mieux travailler le passage pour qu'il soit plus facile à jouer. Enfin, il y a des moments où on bloque un petit peu, et quand on bloque un petit peu, bah, il y a deux démarches possibles. Soit on se dit, bon, bah, je répète jusqu'à ce que j'y arrive, et je finirai bien par y arriver un jour. Ou alors, on se démotive un peu, on se dit, bon, bah, je suis toujours intéressé par l'instrument, c'est pas le problème. Mais bon, je vais peut-être faire un peu, j'ai qu'à faire autre chose, allez, je vais. On change d'avis, finalement. J'ai vu que dans telle catégorie, il y avait des cours pour apprendre à faire ça. Tiens, je vais faire ça, tiens. Donc, on change de catégorie et on fait autre chose, quoi. Et puis, on a tendance parfois à se disperser un petit peu, quoi. On se dit, c'est dommage parce que, à la base, c'est pas ça que je voulais faire, quoi. C'est pas ça que je voulais faire au début. Je voulais jouer ce morceau-là. Puis, je suis complètement parti sur autre chose. Puis, à la première difficulté, on se dit, je vais repasser sur un autre truc. Ce qui fait qu'on a tendance à se disperser, quoi. Ouais, c'est un peu le problème. Quand tu arrives sur une formule où tu as déjà plus d'une centaine, plus de 150 cours à disposition, tu es tenté de piocher un peu partout, tu vois. Et en fait, je veux pas limiter l'accès aux cours. Avant, je faisais ça. Avant, je limitais l'accès, c'est-à-dire je disais, voici les cours du mois, et tant que le mois n'est pas fini, tu peux pas passer au cours suivant. Comme ça, tu n'étais pas tenté de faire les cours du sixième mois alors que tu n'en étais qu'à la première semaine, tu vois. Mais le problème aussi, c'est que comme il y a certains qui avançaient beaucoup plus vite que d'autres parce qu'ils avaient plus de disponibilité, ils se retrouvaient à attendre, devoir attendre la fin du mois, alors qu'au bout de 15 jours, ils avaient déjà fini, tu vois. Donc je vais éviter ça. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai créé Club Armo. Et non seulement tu as plus de 150 cours déjà quand tu rejoins le club, dès le premier jour de ton inscription, mais tu as aussi un nouveau cours chaque jour. Donc ça s'enrichit constamment, donc tu n'as jamais de risque d'avoir tout fini et de devoir patienter un mois avant qu'il y ait un nouveau cours. Et donc, en parlant aux élèves, je me suis dit, effectivement, je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. C'est-à-dire à la fois conserver l'accès dès le premier jour de ton inscription, conserver l'accès à tous ces cours, ce qui fait que tu peux vraiment faire les choses comme tu le sens, ce que j'appelle suivre les cours à la carte, parce que tu peux dire, cette semaine, allez, j'ai du temps, je regarde plus de vidéos, cette semaine, j'ai un peu moins de temps, je regarde un peu moins, là, j'ai vraiment du temps en ce moment, je peux en faire une heure par jour, tu avances beaucoup plus vite. Enfin, tu as accès à tellement de cours dès le premier jour que même si tu consacres du temps tous les jours à la pratique de l'apprentissage de l'harmonica, tu auras toujours des choses que tu peux travailler. Tu n'auras jamais un moment où tu vas dire, ça y est, j'ai tout fait, Bertrand, il me faut la suite parce que là j'ai déjà tout fait. Voilà, c'est pas possible que, à moins de travailler 10 heures par jour, 12 heures par jour, je vois pas comment tu peux faire en un mois ou deux mois, comment tu pourrais faire 150 cours, c'est pas possible, tu vois. Donc, comme chaque cours, c'est un quart d'heure à peu près, t'imagines bien que ça fait énormément d'heures, quoi. Donc, mais il manque quand même le suivi personnalisé des élèves. Alors, il y a possibilité, toi, on continue de communiquer ensemble, on a un groupe sur Telegram, on communique ensemble, mais c'est vrai que voilà où j'en suis, j'ai une difficulté là-dessus, je suis le programme, le parcours du débutant, je le suis pas à pas, mais là j'ai quand même pas mal de difficultés. Il y a un truc que j'arrive pas à faire, ça marche très bien, mais ça un peu moins. Est-ce que tu pourrais pas m'aider, tu vois? Alors évidemment, faire des cours très très personnalisés et adapter son enseignement à chaque élève, c'est des choses que je fais déjà en cours particulier. Quand je me déplace au domicile de mes élèves, évidemment tous les cours sont très 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 personnalisés puisque je m'adresse à un seul élève. Mais ça, c'est pas du tout le même tarif, on n'est pas du tout sur les mêmes eaux, parce qu'évidemment, je me déplace chez toi, ou alors éventuellement on fait un cours avec Zoom, sur Zoom. Mais si c'est des cours particuliers, évidemment,
Moi, je prends le temps de te préparer un cours vraiment personnalisé, etc. Et je me suis dit, si je mets ça en place, les tarifs ne sont plus du tout les mêmes, quoi. Après, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais ça demande aussi beaucoup de disponibilité. Et puis en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais après tout, comme dans le Club Armo, vous êtes tous plus ou moins débutants, on peut créer des groupes. Des groupes assez homogènes parce que j'ai pas de professionnels, j'ai quelques musiciens professionnels qui prennent des cours avec moi, mais ils sont pas dans le Club Armo. Dans le Club Armo, c'est vraiment axé sur les débutants, tu vois. Donc si tu as déjà joué de l'harmonica, si tu en joues déjà depuis 2-3 mois et que tu en as encore à travailler tes notes, apprendre à jouer des morceaux, tu peux t'inscrire, tu vois. T'es pas obligé de commencer du zéro absolu, mais disons que même si tu en fais depuis un an ou deux, tu auras forcément des choses. Si tu ne travailles pas encore les overblows, tu pourras les travailler. Ou alors, si tu n'as jamais improvisé de ta vie, tu peux débuter l'improvisation. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire, même si tu n'es pas complètement débutant. Mais si tu es complètement débutant, là, bien sûr qu'il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les élèves, là, il y a à peu près 25 élèves actuellement, tous les élèves sont plus ou moins débutants. Donc je me suis dit, pourquoi faire forcément une formule en cours particulier? On peut aussi faire une formule en cours collectif avec justement une certaine homogénéité puisque tout le monde est plus ou moins débutant. Ça permet d'avoir un cours en ligne avec un tarif tout à fait acceptable parce que évidemment, si je donne un cours collectif en petit groupe d'élèves, moi je travaille beaucoup moins que si je faisais le même cours à N élèves, toi, si je dois multiplier le cours par 25, évidemment, c'est beaucoup plus de disponibilité, donc tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et puis finalement, je me suis dit, après tout, est-ce que j'ai besoin de donner 2 heures de cours particuliers par semaine? Non, parce que, évidemment, si tu n'avais pas Club Armo, si tu n'avais pas déjà des cours en ligne, moi, ce que je faisais avant que l'école internationale d'harmonica existe, je donnais 1h30 de cours par semaine à chacun de mes élèves à domicile. Et s'il fallait ça, parce que il fallait travailler la technique, il fallait travailler la musique en elle-même, il fallait travailler les morceaux. Et puis en plus, j'organisais 2 concerts par an, et donc il fallait aussi travailler le programme du concert, il y a le répertoire, tout ça, il y a plein de choses à travailler. Donc 1h30, c'était vraiment le minimum, tu vois. Enfin, ça fonctionnait avec 1h30 par semaine. Mais là, comme tu as déjà plein de cours sur la plateforme, tu vois, auquel tu accèdes dès le premier jour de ton inscription, finalement, tu n'as pas besoin d'avoir 1h30 de cours particuliers par semaine parce que tu as déjà, toute une partie. En fait, ce que tu peux faire de manière concrète, tu me joues ton morceau, tu dis « Ah ouais, tu as une difficulté là-dessus » ou alors tu me dis « Écoute Bertrand, j'ai travaillé ça, mais ça pour moi, c'est difficile. » J'écoute, tu vois, effectivement, je comprends ta difficulté, je vois ce que tu dois travailler, je t'indique que, par exemple, sur la plateforme, tu devrais travailler tel cours, tel cours, tel cours, tel cours et tel cours, et tu vas voir, tu vas résoudre ton problème. Tu vois, en fait, je peux t'indiquer quel cours du catalogue tu dois suivre pour que tu puisses progresser. Et tu n'as rien à payer en plus, parce que ça fait partie de ton forfait, tu vois. Tu as un forfait mensuel et tu n'as pas besoin d'acheter des cours en plus. Simplement, je t'indique sur la plateforme, dans le catalogue, puisqu'en fait, dès que tu t'inscris, tu as accès à tout le catalogue, je t'indique simplement les cours que tu dois avoir en priorité parce que c'est justement ce qui te permet de progresser. Et donc, ce que je vais mettre en place à partir de vendredi prochain, ce sont les cours collectifs et en plus de l'accès à la plateforme, les cours collectifs avec l'idée que chacun aura son propre projet musical. Quand je dis projet musical, c'est pas forcément un projet professionnel, hein, ça n'a rien à voir. Ça peut être un projet tout à fait amateur, ça peut être je vais apprendre à jouer, je vais apprendre à jouer 10 chansons des Beatles à l'harmonica, ça peut être un projet musical, tu vois. Ça peut être je vais être capable d'improviser sur mon instrument, je vais être capable de. Enfin, toi, chacun a. Généralement, quand tu commences les cours de musique, chacun a son rêve. Tu dis, ce que j'adorerais faire ça,
c'est d'être sur une pelouse avec des amis et je prends l'harmonica, il y a quelqu'un qui sort une guitare et il chante un blues et je l'accompagne, voilà, on joue un blues ensemble, spontanément. Voilà, un morceau que j'ai jamais préparé, que j'invente comme ça, pouf, et spontanément. J'adorerais faire ça. Bon bah avec moi, tu es capable de le faire, tu vois. Donc ça peut être ça ton projet musical, tu vois. Donc pour chaque élève, et moi je vais vraiment avoir un suivi de chaque élève, tu vois, ce que j'appelle un suivi ultra personnalisé, puisque c'est comme les cours particuliers. Sauf que c'est un petit groupe d'élèves et on peut passer vraiment du temps ensemble parce que, tu vois, si même s'il y a une vingtaine d'élèves qui suivent le cours collectif, il y a forcément des personnes qui vont avoir les mêmes difficultés au même moment. Puis après, on verra quoi. Si je dois passer, parce que si je passe un quart d'heure avec un quart d'heure, 20 minutes avec chaque personne, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je sais qu'il y a parfois des difficultés que. Par le passé, des personnes qui avaient du mal à faire quelque chose ont passé 10 minutes ensemble, ça y est, le problème était réglé parce que moi je savais ce qu'elle faisait pas ou ce qu'elle faisait en trop qui faisait qu'elle n'arrivait pas à dépasser ses difficultés. Et quand j'ai mis en lumière ce qu'elle devait travailler, bah, elle n'avait plus qu'à le faire et puis ça y est, 10 minutes de cours particulier. Et comme elle avait déjà accès aux cours en ligne, bah, ça lui a suffi pour débloquer sa situation. Donc des fois, c'est pas le temps qu'on passe ensemble qui est important, je veux dire, ah, si je passe que 30 minutes avec un prof, ça va bien mieux marcher que si j'ai passé une heure. Ben non, parfois, en 5 minutes, tu peux débloquer un problème, tu vois. Bon, quand tu es face à un expert, ben, c'est comme quelqu'un que, je sais pas, tu as un problème avec ton moteur de voiture et tu arrives chez un mécanicien qui s'y connaît, mais le gars, ça fait 40 ans qu'il est dans la mécanique, il regarde ton moteur et dit, ah, ben évidemment, ben évidemment, puis là, tu trouves la solution tout de suite. Toi, tu as passé 3 jours à chercher, tu n'as pas réussi. Et le gars, il trouve tout de suite parce qu'il est habitué, tu vois. Bon. Donc, c'est l'avantage de s'adresser à des experts, c'est que tu n'es pas obligé d'y passer beaucoup de temps, c'est ça que je veux dire. Et donc, on peut faire un... on va mettre ça en place, puis on va voir à l'usage comment ça va évoluer. Mais l'idée, ça va être de mettre des séances en ligne, donc animer des séances de travail comme ça, avec plusieurs élèves pendant 2 heures, tu vois. Donc on va lancer ça vendredi prochain, donc ça sera tous les vendredis, de 20h à 22h. Pour l'instant, on fait de 20h à 22h, puis on verra à l'usage. Et peut-être que s'il y a du monde et qu'on se dit, waouh, là, on y passe quand même pas mal de temps et je peux pas aider tout le monde, eh ben on fera une autre séance dans la semaine. Et puis voilà, quoi, tu vois, on peut très bien faire plusieurs séances, c'est pas gênant du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de t'aider, tu vois. C'est vraiment que tu viennes avec ton rêve. Tu dis, voilà, mon projet, ce serait de faire ça. Parce que la formation, forcément, la formation en ligne, bah, c'est la même pour tout le monde. Mais justement, c'est pour ça que je dis ultra personnalisé, c'est que non seulement tu vas voir mon aide en direct dans ces cours sur Zoom, cours en ligne, mais en plus, je vais suivre ton projet musical et je vais dire voilà où tu en es par rapport à ton projet musical. Je me rappelle un ami qui m'avait dit, mais si je sais jouer ces 3 morceaux, enfin j'aimerais savoir jouer ces 3 morceaux avant de mourir, quoi. Et après, je peux mourir, ce ne sera pas grave, quoi, parce que... Si je suis capable de jouer ces 3 morceaux, waouh, ce serait tellement, tellement merveilleux, quoi. Bon, ben voilà. Donc ça peut être un projet musical, tu vois. Et je vais toujours te donner des conseils en fonction de ton projet. Alors évidemment, ton projet peut évoluer, tu vois. Tu n'es pas obligé. Tu peux très bien avoir le projet de jouer Let It Be des Beatles à l'harmonica. Et puis en travaillant un instrument, finalement, tu découvres la country music et tu adores ça. Et finalement, tu as envie de jouer plein de standards de country music. Donc je veux dire, ton projet, il peut évoluer. C'est pas gravé dans le marbre. Je vais pas te dire... Au bout de 3 mois, ah désolé, non, t'as choisi ça, que... enfin c'est pas, toi, t'as le droit de changer quoi. Alors, le but c'est pas de changer tous les jours, mais une fois que t'es défini quelque chose, pendant 1 mois ou 2, bon, ou 3 mois par exemple, tu gardes le même projet, puis dès que t'as réussi à aller au bout de ton projet, bah, soit tu gardes un projet similaire, soit tu peux changer de projet, toi. Puis le projet de toute façon il évolue, parce que c'est souvent, c'est depuis le temps que je n'ai cours d'harmonica, je sais qu'il y a des élèves parfois qui me disent non, moi le blues c'est pas du tout mon truc, moi je veux bien faire de la pop, tout ça, rock, mais le blues j'aime pas trop. Et puis en travaillant certains morceaux, ils se disent ah, par contre il y a ce morceau là, j'adore, j'écoutais ça à la radio sur YouTube, faut absolument que je joue ça, mais tu sais que c'est un blues, ah c'est du blues ça, ah bah finalement j'aime bien, tu vois. Donc en fait le projet il peut complètement évoluer, donc tu vois, donc voilà. Donc pour résumer, tu viens avec ton projet musical et moi je t'aide à le réaliser. Voilà.
on peut dire les choses comme ça, c'est très court. Et comment? Eh bien, par le fait que je te vois en direct chaque semaine. Alors, tu n'es pas obligé de venir chaque semaine. Tu peux très bien te dire, bah écoute, merci Bertrand, là j'en ai bien pour deux semaines et travailler tout ça, puis je reviens dans deux semaines, tu vois. Les séances sont facultatives. Mais moi, je fais vraiment l'effort je vais faire des fiches pour chaque élève, tu vois, et noter où tu en es, ce que tu dois travailler. Et quand on se revoit, quand tu viens à la séance, c'est la séance de la semaine suivante ou une autre séance, bah, je veux que tu aies travaillé ce que je t'ai dit. Et si tu as encore des difficultés, bien sûr, je serai là pour t'aider. Mais il faut aussi que tu fasses l'effort de travailler. Si tu veux, moi je m'implique beaucoup pour que les élèves progressent. Et bah, de toute façon, il y a déjà plusieurs centaines d'élèves qui ont réussi à jouer du petit instrument dans l'école d'harmonica, donc je sais que ça fonctionne. Mais j'ai vraiment cœur à ce que tu progresses, donc moi je fais vraiment tout ce qu'il faut, j'essaie de tout mettre en place pour que tu sois aidé, que tu saches exactement où tu en es, que tu puisses travailler en étant guidé, tu vois, tout au long de ta formation musicale. Et moi, ce que je demande en retour, c'est que tu travailles, quoi. Là, en ce moment, j'ai pas mal d'élèves à domicile, parce que je donne aussi des cours de piano et j'ai beaucoup d'élèves pianistes. Et en fait, c'est agréable pour moi quand j'arrive chez eux. Donc c'est toutes les semaines. Bah, je sais que quand je vais arriver, la première chose que fait l'élève, c'est jouer le morceau. L'apprentissage, il passe beaucoup, beaucoup par les morceaux chez moi. Et donc, il joue le morceau tel qu'on l'a travaillé la semaine précédente. Je vois que ça passe. S'il y a encore des difficultés, bah, j'aide l'élève à dépasser ses difficultés, mais généralement, ça passe bien. Et je me dis, OK, bravo, très bon travail. Allez, on continue, tu vois. Ce que j'aime pas, c'est les élèves qui me disent... C'est arrivé par les années précédentes, mais ça, je veux plus, quoi. Enfin, je veux dire, si tu t'inscris à Club Armo et que tu choisis cette formule, je veux un minimum, enfin, vraiment du sérieux de ta part, tu vois. Quand je dis sérieux, c'est pas tirer la tête ou je ne sais quoi, hein. On est capable de plaisanter entre nous. Enfin, c'est détendu, les cours sont détendus, tu vois. On n'est pas là, on se tutoie tous. On n'est pas là pour... on ne fait pas de la comptabilité, tu vois, donc... Enfin, on peut faire la comptabilité en se marrant, j'en sais rien, mais j'aime pas trop la comptabilité. Mais on est là pour, on est là aussi pour passer un bon moment ensemble, on fait de la musique ensemble quand même. Mais il faut un minimum de sérieux de ta part, c'est-à-dire que plus qu'un minimum, c'est-à-dire que si tu prends des cours avec un prof, c'est pour suivre les conseils du prof. Donc si tu viens chez moi, entre guillemets, et que tu me dis « Ok, merci de tes conseils, mais je ne vais pas les suivre et je ne vais rien travailler », moi, ça ne m'intéresse plus. Enfin, je veux dire, je préfère que tu t'en ailles, quoi, tu vois. Moi, je n'ai pas envie, si tu veux, de... Il y en a un qui pourrait me dire « Bah non, mais moi, je n'ai pas besoin de ces cours collectifs. » C'est facultatif, donc de toute façon, tu peux très bien ne pas les suivre. Moi, je n'ai pas besoin de ces séances-là. Je m'en sors très bien tout seul. Bah tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je fais ça pour t'aider, mais si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. C'est pas une obligation. Mais si tu t'inscris et que tu viens et tu dis « Ok, je m'engage, voici mon projet et j'aimerais tellement travailler ça. » Et moi, je prends le temps de t'écouter, de te voir et d'essayer de considérer ce que je pourrais faire pour t'aider et que je trouve les exercices. Et que même, je te crée des cours sur mesure, comme je le fais parfois pour les élèves et je mets ça en ligne. Bah, je m'attends quand même parce qu'en retour, tu respectes mon travail et que tu travailles de ton côté, tu vois. Et si tu le fais, bah, tu peux avoir toutes les difficultés du monde, je serai toujours là pour t'aider. Mais si à chaque fois tu me dis, ah bah non, mais désolé, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, bah, à ce moment-là, viens pas chez moi, quoi. Enfin, je veux dire, si je joue pas de musique, enfin, si t'es là, enfin, je t'engueule pas, hein. Mais bon, enfin, je vois, j'ai envie, vraiment, moi, je passe ma vie à donner des cours, parce que c'est mon métier, hein. C'est pas quelque chose que je fais en dilettante, à côté d'un boulot de je sais pas quoi. Bon, c'est mon métier de donner des cours de musique. Et donc, j'ai à cœur d'aider des élèves qui veulent vraiment progresser, tu vois. Et j'ai pas envie de me retrouver avec des élèves qui se disent bah, « J'aimerais tellement être un super harmoniciste, mais oh, j'ai autre chose à foutre, j'ai pas besoin, j'ai pas le temps de travailler, quoi. » Bon, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, t'as pas le temps de travailler, bah, tu trouves le temps, mon gars, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux suivre mes cours. Enfin, la plupart des élèves font une demi-heure d'harmonica par jour. Et si c'est pas une demi-heure, c'est au moins un quart d'heure par jour. Il y en a qui en font un quart d'heure et qui progressent aussi. Parce que je te dis, les cours en ligne, en gros, c'est un quart d'heure. Donc, il faut que tu aies au moins, pour que tu puisses progresser, l'idéal, c'est d'en faire tous les jours quand même. Il ne faut pas se leurrer.
Tu trouveras jamais une méthode, il n'y a pas de méthode miracle, il suffit de suivre un cours et ça y est, tu sais tout faire, quoi. Ça n'existe pas. Les cours, enfin, je veux dire, pour progresser en musique, enfin, je pense que dans la plupart des activités c'est comme ça, mais notamment en musique, c'est tout un apprentissage la musique, donc il faut que tu t'en fasses un peu tous les jours, quoi. Donc si tu en fais un quart d'heure par jour, enfin je sais pas, un quart d'heure par jour, je vois pas, enfin c'est pas le bout du monde, quoi. Même si t'as, moi j'ai des semaines très chargées, hein, je peux te dire que j'en fais des choses, hein. Puis je fais pas mal d'activités sportives en plus à côté. Je sais, ça se voit pas forcément sur moi, mais je suis pas gros quand même. Je suis quand même, enfin toi, j'ai quand même pas mal d'activités et je fais 2 heures de sport par jour en plus de tout ce que je fais en musique et il y a pas mal de choses avec la composition, tout ça. Bon, j'ai des semaines assez chargées, quoi. Mais j'arrive toujours à trouver du temps pour travailler un instrument. Je suis tout le temps en train de travailler même pour moi-même, tu vois. Il y a toujours de possibilités, quoi. Donc un quart d'heure, c'est vraiment pas difficile à trouver, tu vois. Si t'es honnête avec toi-même, tu vas le trouver le quart d'heure. Hein. Okay. Quitte à ce que tu te lèves un quart d'heure plus tôt, puis ça y est, c'est réglé. Tu scrolles moins sur Facebook, tu passes moins de temps sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais ça me détend. Oui, bah t'as qu'à te détendre un quart d'heure de moins, puis tu fais un quart d'heure d'instrument. Enfin, franchement, c'est pas difficile. Et donc, je te demanderais 8 heures de travail par jour. Bah là, évidemment, ce serait très difficile pour toi. Il n'y a que les professionnels qui pourraient le faire, mais et encore. Enfin, voilà, un quart d'heure. Bon, donc ce que je veux simplement, c'est que tu travailles, quoi. Voilà. Et même si tu as des difficultés, hein, je ne te dis pas que tu dois tout réussir tout de suite. Si tu as des difficultés, bah, je serai toujours là pour t'aider. OK ? Alors, on va parler du tarif maintenant. Pour l'instant, tous ceux qui, donc les 25 là, qui sont dans le Club Armo, ils payent leur tarif, donc c'est un tarif mensuel. Hein. Tant qu'ils restent inscrits, ils continuent d'accéder à tous les cours dans le Club Armo. Et en fait, comme je vais rajouter des cours collectifs en petits groupes d'élèves 2 heures par semaine, moi je vais préparer mes cours, je vais les animer, ensuite je vais également les enregistrer et mettre les rediffusions sur la plateforme. Donc tout ça, ça me fait à peu près 3 heures de travail en plus par semaine, tu vois. Donc 12 heures par mois, tout travail mérite salaire, donc ça veut dire que le tarif va augmenter, quoi. Bah évidemment, puisque je suis beaucoup plus disponible, je suis au plus proche des élèves, et en plus, tu auras même la possibilité de me contacter entre les séances si jamais tu as des questions à me poser. Donc c'est beaucoup plus de disponibilité pour moi. Et donc le tarif va augmenter. Mais comme je fais ça à la base pour aider les élèves qui sont en difficulté, qui ont parfois quelques difficultés, qui ont besoin d'un vrai coup de pouce, eh bien je me suis dit, ce ne serait pas logique. Enfin tu vois, si tu arrives dans une école, tu dis j'aime bien les cours, j'aime bien le prof, j'aime bien la pédagogie, mais là j'ai des difficultés, et que tu avais un prof en face qui te dirait si tu veux, je vais t'aider pour que tu dépasses ces difficultés, mais ça va te coûter plus cher. Tu veux dire, c'est pas logique, quoi. Enfin, je m'inscris dans une école, j'ai envie de... Enfin, j'en suivre les cours et m'en sortir vraiment. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de payer? Donc, en fait, je vais pas faire payer ces cours-là. Je pourrais, hein. J'en connais plein qui le feraient, hein. Mais bon, enfin, voilà, c'est comme ça. C'est, pour moi, je trouve que c'est plus honnête. Je fais quelque chose, ça, je fais ça pour t'aider, pour ceux qui sont le plus en difficulté actuellement. Mais je vais pas te faire payer le fait que tu trouves ça difficile, quoi. Bon, donc c'est-à-dire que tous ceux qui sont inscrits dans le Barmo actuellement, si c'est inscrit au cours collectif vendredi, ils ne paieront pas plus cher, d'accord. Par contre, une fois que les cours collectifs seront enclenchés, là évidemment la prestation que je vais fournir, ça va être à la fois les cours en ligne, les plus de 150 cours, plus un cours par jour, plus un apprentissage d'un morceau chaque semaine, plus une formation complète chaque mois, tout ça dans le catalogue, plus les séances hebdomadaires où je vais être très disponible pour les élèves, évidemment le tarif va monter, c'est évident. Je veux dire, encore une fois, plus de disponibilité de ma part, donc forcément un tarif plus haut. Mais ça n'augmentera pas pour les élèves qui sont déjà dans Club Armo. Donc, je vais en venir là, c'est que si tu t'es pas encore inscrit dans Club Armo et que tu vas apprendre à jouer de l'harmonica avec moi, si tu t'es inscrit avant la séance de vendredi, on va dire,
je puisse m'organiser si tu t'inscris avant, avant vendredi midi. On va dire vendredi midi, parce qu'après moi j'ai plein de cours le vendredi après-midi, j'ai beaucoup de cours. Comme ça je reviens juste chez moi à 19h et ça me laisse une heure de battement pour me préparer pour la séance d'harmonica. Et donc pour avoir le nombre d'inscrits, savoir qui s'inscrit et qui vient, qui ne vient pas, il faut que je le sache le midi, comme ça si à midi je sais qui est inscrit, ça me laisse préparer déjà la séance. Et je ne veux pas avoir des inscrits, des gens qui s'inscrivent au dernier moment, 5 minutes avant, parce que le temps de t'expliquer comment ça fonctionne, tout ça, voilà. Donc le mieux, c'est que tu t'inscrives avant vendredi. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas encore partie du Club Armo et que tu vas apprendre à jouer l'harmonica avec moi, accéder à plus de 150 cours dès ton inscription et accéder à des séances en ligne, des cours en ligne, en petits groupes d'élèves, pour être suivi tout au long de ta formation musicale, et t'aider à réaliser ton projet, eh bien pour toi, le tarif, je ne vais pas augmenter le tarif pour toi, c'est-à-dire que je te fais le même tarif actuel. Donc c'est-à-dire que tu as les cours collectifs gratuits. Et ça, c'est toute la. Enfin, je veux dire toute l'année, ça dépend. Enfin, tu peux. Tu n'es pas obligé de rester pendant un an. Hein, tu peux. Tu n'es pas astreint à un engagement sur l'année. Tu peux très bien dire merci Bertrand. J'ai réalisé mon rêve, j'ai fait 3 mois avec toi et je m'en vais. Toi, tu peux, l'abonnement est mensuel, tu pars quand tu veux. Donc tu arrives quand tu veux, tu pars quand tu veux. Mais tu vas accéder donc à ces 8 heures de cours. Si tu viens toutes les semaines, et tu as le droit de venir toutes les semaines évidemment, ça va te faire 8 cours. C'est presque des cours particuliers parce que je vais passer du temps avec chaque élève. On va dire ce sont des cours collectifs en petits groupes d'élèves, 8 heures par mois, entièrement gratuits. Voilà. Donc tu payes juste ton abonnement à Club Armo au prix actuel et tu bénéficies des 8 heures de cours en plus, donc 2 heures chaque vendredi. D'accord ? Et donc on commence vendredi 20 octobre 2023 à 20h. Le 20 à 20h, c'est facile à retenir. Ça fonctionne, cette offre exceptionnelle que je fais, elle est vraiment exceptionnelle puisque je la fais jusqu'au vendredi midi. C'est-à-dire que si tu t'inscris après le vendredi midi, ce sera toujours possible, mais ce sera un nouveau tarif. D'accord ? Voilà. Et donc, mais c'est évident parce que, je veux dire, si après le 20 octobre, j'ai 50 personnes qui s'inscrivent et que je suis obligé de faire 3 séances ou 4 séances de plus dans la semaine, mais ça a encore plus de disponibilité. Je peux pas passer ma vie et faire du gratuit. C'est pas possible. Forcément, j'ai besoin de payer mon loyer comme tout le monde. J'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de me laver, j'ai besoin de m'acheter à manger, j'ai besoin de payer, payer mes charges, mes assurances, mes trucs, mes impôts, comme tout le monde. Je veux bien faire un cadeau, mais c'est déjà un cadeau énorme que je fais. Je vais pas faire des. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans 2 ans, il ne va pas se dire, il y a tellement de monde maintenant dans l'école, je suis obligé de faire une séance tous les soirs, je vais pas faire ça gratuitement, c'est pas possible, évidemment. C'est un métier, hein, prof de musique. Voilà. Donc, mais si tu t'inscris avant vendredi midi, tu bénéficies du tarif actuel, ce qui fait que par rapport au futur tarif, c'est comme si tu avais 60. Enfin, comme si tu payais que 60% du prix, comme si tu avais 40% de moins, sachant que pour toi, on retient bien que si tu t'inscris avant le 20, enfin au plus tard le 20 octobre à midi, eh bien tu auras tous ces cours en petit groupe d'élèves, donc 2 heures de cours par semaine, entièrement gratuit. Voilà. Donc après je te force pas la main, tu fais comme tu veux, mais si tu veux apprendre à jouer l'harmonica, ça sera intéressant pour toi de saisir cette opportunité. Pour l'instant, il y a 25 personnes. 25 personnes, ça peut tenir hein, dans une seule séance parce que j'ai déjà fait des cours collectifs en petits groupes d'élèves. Je sais que généralement, on peut prendre 24-25 personnes parce qu'en fait, il y a toujours, je te dis, il y a forcément des élèves qui ont
des difficultés communes. Quelqu'un va dire, ah bah tiens, moi j'ai un problème avec ce rythme-là, j'arrive pas à le jouer. Ah bah pareil pour moi, ah bah ça pour moi c'est pareil. Ah bon, pour qui c'est pareil? Puis tu as 5 ou 6 personnes qui lèvent la main. Donc le conseil que je donne à l'un, il sert aussi à l'autre, enfin, il sert aussi aux autres, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pas, je vais pas avoir besoin de passer une demi-heure avec chacun des 25 élèves. Tu vois. Il y a forcément, tous les élèves sont différents, mais il y a forcément des difficultés que va rencontrer un élève et que d'autres aussi vont rencontrer, tu vois. Donc il y a aussi le travail. Après, le projet peut être différent pour chacun, mais ça prend pas de temps de... Enfin, une fois que je le sais, voilà, c'est tout, quoi. Mais si tu veux, il y a un moyen de gagner du temps. Le cours que je donne à un groupe d'élèves, eh ben, c'est vraiment un groupe d'élèves. C'est-à-dire qu'ils vont tous se dire « Ah, bah merci, tiens, Jean-José, t'as bien fait de poser la question. » Parce que justement, j'avais la même difficulté, j'ai rencontré le même problème, tu vois. Puis d'autres vont dire « Bah non, moi, j'ai pas ce problème-là. Par contre, j'ai ce problème-là. » Et puis, il y a donc un autre sous-groupe dans les 25, un autre sous-groupe qui va dire « Bah tiens, justement, moi, c'est ces difficultés-là que j'ai. Par contre, pas du tout là-dessus. Est-ce que tu peux nous aider là-dessus, tu vois ?» Donc en fait, c'est pour ça que je peux faire des séances de 2 heures à 25 élèves qui vont aider tout le monde. Maintenant, si vous êtes 25 de plus à vous inscrire, je ne vais pas faire un cours de 2 heures pour 50 élèves, parce que là, je pense que ça va être vraiment difficile, à moins que tout le monde ait exactement la même difficulté au même moment, mais ça m'étonnerait. Donc si c'est ça, ben, on fera une autre séance dans la semaine. C'est pas... Il suffira de s'organiser, choisir un jour et un horaire, et puis voilà, quoi. D'accord ? Voilà. En tout cas, bon, tu as cette possibilité donc d'avoir les 8 heures de cours collectif gratuit chaque mois. Et tant que si tu t'inscris avant vendredi 20 à midi et hors de Paris. Hein. Non, je dis ça parce que parfois il y a des gens qui habitent au Canada ou qui habitent sur l'île Maurice ou à La Réunion, et bon, il y a toujours des décalages horaires. Donc te dis pas, ah bah attends, je comprends pas, il est même pas midi, et bon, tu vois, c'est déjà terminé, quoi. Donc hors de Paris, midi pile. Et donc voilà, donc si tu t'inscris avant cette date, eh bien pour toi, tu paieras donc l'accès aux cours en ligne, mais les cours collectifs en petits groupes d'élèves toutes les semaines seront gratuits pour toi tant que tu resteras abonné. Ok ? Alors, comment s'inscrire ? Bah, tout simplement, tu trouveras le premier lien en description de cette vidéo. Tu cliques sur le premier lien et tu arrives sur une page qui te présente ce que c'est Club Armo. Donc, tu vas voir les différentes catégories, tu vas voir tout l'état d'esprit qu'il y a derrière cette formule, plus donc les cours en petits groupes d'élèves que j'appelle les Agora. J'appelle ça Agora parce que c'est une référence aux Agora de l'Antiquité où chacun pouvait s'exprimer. C'est exactement ce qui se passe, on s'exprime librement. Donc je t'expliquerai comment on va structurer les agora. Bon, je ne vais pas t'en parler dans ces vidéos parce que ce sera un peu long, mais je pense que tu as compris le principe. Donc les agora, donc tu vas voir ce que c'est. Donc tu as sur la page, tu as toute la présentation de Club Armo avec l'ajout de cette formule en agora. Et il suffira de cliquer sur le bouton bleu pour pouvoir t'inscrire. Tu peux régler par carte bancaire ou par PayPal. Et dès que tu t'inscris, tu as un prélèvement automatique mensuel qui se déclenche. Et puis le jour où tu veux nous quitter, bah, tu m'envoies un petit mot, j'arrête le prélèvement et nous quittons, bons amis. Voilà, voilà. Donc clique sur le premier lien en description de cette vidéo et je te retrouve de l'autre côté sur la page pour te présenter en détail ce qu'est Club Armo et t'accueillir dans l'école internationale d'harmonica. Allez, je te dis à très vite et bonne fin de journée, bonne soirée, et si tu joues déjà de l'harmonica, bonne musique !